à Tripoli, de 3h, 4h du matin. Celles-là, ils sont venus ramasser pour aller nous mettre dans un bateau. Dans le bateau même, quand on nous envoyait, le premier bateau a été cassé. Il y a des gens qui sont morts. Bon, on ne sait pas combien. Le bateau est cassé en deux parce que le bateau n'était pas en bon état. Donc, ils nous ont pris encore. Dans d'autres cas, ils ont nous envoyé dans un autre port. C'est là même, ils nous ont mis dans un autre bateau. Maintenant, ils ont mis l'eau dedans, dans le bateau, plus quelques pains. Et on était dans le bateau, on vomissait. On ne savait même plus où on était. On était au beau milieu de la mer. Chacun priait Dieu. On a fait 2 jours sur la mer. Tout ce qu'on demandait, on priait Dieu pour que Dieu nous sauve sur cette terre. Nous étions près de 200 personnes. Nous étions serrés comme dans le temps de l'esclavage. Nous sommes arrivés à Lampedusa. Queste situazioni di abbruttimento, di degrado, di razzismo, di sfruttamento non vengono denunciate, beh, insomma, è peggio. Quindi bisogna essere martellanti e soprattutto dire di chi è la responsabilità. Il problema che mi fa male anche sempre la stessa cosa che non si cambia, no? È la nostra vita che non si cambia mai. Il governo deve sempre pensare che noi siamo qui per loro e poi non abbiamo un altro paese che l'Italia. Dobbiamo vivere meglio che così. E il governo deve pensare a noi, che noi siamo qui per loro.